Vous avez rencontré. Vous avez rencontré un artiste du Havre très connu sur les réseaux sociaux. Il a utilisé énormément Twitter. Il s'appelle Medine. Il est rappeur et il a mis en ligne début janvier un morceau polémique sur la laïcité qui n'a pas très bien été compris. Il a débuté dans la carrière par une apologie musicale des attentats du 11 septembre et de Ben Laden. Il s'est donc retrouvé interdit d'antenne. De Marine, justement, et un autre papier, les salauds du djihad, notamment, vous citez le rappeur Medine qui se produisait de ce clip, parce qu'en fait, on s'aperçoit que le marketing du djihadisme aujourd'hui est assez. Attendez, vous dites, il parle dans l'absolu, ça n'est pas vrai. Ces aspirations, je l'avoue, m'inquiète. Son rap, à mon avis, joue avec le feu. Qui trompe sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. On cherche la vérité, on veut pas de la charité de ces philanthropes. Y'aura pas de cabine du V au paradis des quartiers, ni dans mon cercueil. À deux doigts de favoriser le fusil canoncillé, alors pile temps de vote. Alors pile. Encre. Bite. Centre. S'étendre. Ou s'étendre. C'est la mentale d'une record, on marche sur les traces de la montagne. Sale sac au latte. Poulet trousse. Du rap vilipendé. Rien à foutre. Les trompes dégaturées. Ils ont tous. On n'écoute pas mes couplets. On les réécoute. Je fais les Eric Diamondé. Tous les jours. Mon atolique diamondé, c'est mon tout. Mon ange s'est tissé. Mickaël repoux. Le rap tu l'as créé. Moi je l'ai reboot. Reboot. Nul n'est censé ignorer les lois d'Allah. Le temps est une créature comme le trône du diable. La vie de rue c'est pas une telenovela. Stop. Qui distribue les bons et les mauvais points sur la planète Terre. Stop. Qui juge réglementaire les tailles de jupe à Charleville-Mézières. Stop. Fini les bails de Bigos. Fini de beurre et leur biscotte. Mon EP ne sort qu'en digital, mais ne me paye pas qu'en bitcoin. Purée le bitcoin, comme une tape, pas de ronde arrosée. Et rappé hybride, j'ai la bobarde de risque à sous les sourcils de mon carrossé. Genre du carrossé, j'étais tout cabossé. Nouveau flow, logiciel, je n'ai plus qu'à bosser. Comme à l'ivoire, y'a plus qu'à boxer. J'ai créé ma porte, je n'ai plus qu'à clencher. Pied au plancher, je ne crains pas le danger. Comme une voiture ouvreuse qui roule vers danger. On s'est fait flasher en sortant de la mosquée. Ma liche, droit dans un ami, il est enclenché. Sale sac au natte. Poulet trousse. Du rap vilipendé. J'en ai rien à foutre. Les trompes dégaturées. Ils ont tous. On n'écoute pas mes couplets. On les réécoute. Je fais les Eric Diamondé. Tous les jours. Mon acolyte diamondé, c'est mon tout. Mon ange s'est tissé. Brave et Julien Dollars, ou Marticano, Général et Adams, la tombe panique team et Naïm von Peebles. Mon prénom Medine, c'est l'anagramme de Ben. Mes frères veulent tous mourir muslims, avec des funérailles de Vicky. Tout ce qu'on veut, c'est squatter le Firda, ou c'est que nos mille femmes viennent. On veut pas mourir pour mille femmes vierges, mais on veut survivre pour bien mille feuilles vierges. Venu en quitte des US, ta carrière est une puesque. Tu gaspilles l'oxygène. Vas-y, pars dans le burlesque. Tu crois que t'es chaud, tu crois que t'es tard. Tu crois dans Sons of Anna. Tu te prends pour Kendrick Lamar. Ici t'es qu'un âne, on t'appelle Kendrick Lamar. J'ai partout saisi ce déchaînement verbal. Il faut élargir la question. Le rap. Et à quelques exceptions près. Il y en a, je reconnais. Un véritable dégueulis verbal. De violence extrême. Oui, après 4 albums solo, Medine n'en est pas à son coup d'essai. C'est un rappeur engagé, volontaire, sûr de lui. Et quand il rappe, forcément, eh bien, il provoque. C'est un jeu du rap. Il ne mâche jamais ses mots. Il défend ses idées. Une grande société du vivre ensemble. Alors aujourd'hui, Medine, 31 ans, on a des voix.
Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Donc, merci déjà pour ceux qui viennent de se connecter. Mais surtout, merci de bien vouloir partager le live. Donc, vous me dites vite si le son est bon parce que je n'aurai pas beaucoup de temps. Hein. Dites-moi vite si le son est bon. Donc, si le son est bon, de bien vouloir me prévenir. Donc, partagez le live, il sera très court. Ce sera peut-être le plus court des lives que j'aurai à faire, mais certainement le plus important que j'aurai à faire du moment. Alors, on va aller très vite, d'accord? On va aller très vite. Nous n'allons pas aller dans tous les sens. Hein? On va aller très précis, d'accord? Très, très précis. Alors, je vais vous expliquer très vite ce qui se passe. Il y aura une série de lives qui seront faits avec Stéphane Nzing. Peut-être un ou deux ou trois lives où nous allons vous évoquer déjà ce que vous savez, d'accord? Mais surtout ce qui se passe en douce, d'accord? Des sorties de certaines personnes dont je ne vais pas citer les noms, mais je sens qu'il y a vraiment eu un besoin permanent et important de pouvoir venir en aide de certaines personnes. Voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas oublier ce que certaines personnes ont apporté dans cette résistance à un moment donné. Donc, n'oubliez pas. Voilà pourquoi moi, je commence à contribuer en envoyant un 50 euros à quelqu'un. C'est important, ça peut au moins l'aider à payer sa facture d'Internet. Mais ce n'est pas ça le plus important. Alors, très vite, je vais vous lire un texte. Un texte très rapidement. Pour vous expliquer ce qui se passe, pourquoi cette mouvance sur les réseaux sociaux nous concernant ou concernant Stéphane Nzing. Je vais vous lire ce texte. Il s'agit en fait d'un passage que Stéphane vous a parlé la dernière fois. Il s'agissait en fait du rapport du Conseil des ministres. Le rapport du Conseil des ministres dit ceci. Je vais prendre une petite partie. Ministère de l'économie, des finances et de la solidarité nationale. C'est ce document-là. Vous allez le trouver sur la page de Stéphane Nzing et je vais aussi le publier sur ma propre page. Ce document dit quoi? Écoutez bien. Écoutez. Sur présentation du ministre, le Conseil des ministres a entraîné le projet de décret portant transfert à la Caisse des dépôts de consignation, la CDC, des titres fonciers de l'État. Vous avez compris? Voilà. En effet, le présent texte consacré à transférer à la CDC, à titre gracieux, de l'ensemble des titres fonciers appartenant à l'État, à l'exception de ceux affectés à l'usage des services publics de l'État, des collectivités locales et des forces de défense et de sécurité. L'objectif visé est de permettre à la CDC de devenir un véhicule capable de lever des fonds sur le marché aussi bien national qu'international pour le compte de l'État en vue de financer des projets de développement. Vous avez compris ça? C'est ce texte-là qui fait en sorte que, avant même que Stéphane Nzing et moi soyons sortis pour vous expliquer terre à terre ce qui se prépare, on a demandé à quelqu'un de commencer par nous tirer dessus afin que nous puissions perdre en crédibilité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que les bailleurs de fonds et les lobbies internationaux ont exigé à ce que le Gabon proclame la vacance de pouvoir n'ont pas été convaincus par la tournée du TCP, mais encore moins par la présence du sosie.
Et au contraire, ça a encore même levé plus de doutes. C'est la raison pour laquelle je demanderai à tous ceux qui ont pris des vidéos et des images discrètement de tous les passages de la chose à Franceville et à Libreville de bien vouloir nous envoyer ça par WhatsApp. Parce qu'il y a des éléments que les bailleurs de fonds ont relevés qui ont encore amplifié leur inquiétude. D'ici là qu'on en parle, il faudrait que Yajojo et d'autres personnes à nous attaquent et nous tirent dessus. En fait, ce qui se passe, c'est que la vacance de pouvoir qui devrait être proclamée, eux, ils ont tout fait et essayent de faire pour assurer la continuité avec la chose. Mais seulement, chut, tu vas parler fort, la chose n'a pas convaincu les gens. Donc, par conséquent, il y a quelqu'un qui essaie de nous faire passer pour des menteurs. En fait, le plan n'a pas marché. Sauf que, il y a des éléments graves et très importants qui ont été relevés tout au long de la tournée concernant Farjon. Il paraît que Farjon a des gros problèmes avec Sylvia. Et ça ne joue pas très bien en leur faveur. D'où il ne faut pas aussi en parler, parce que si vous en parlez, les gens sauront et ça va trier et créer des gros problèmes. Bizarrement, Stéphane Zeng et Parfait Eyi et d'autres personnes sont au courant de ça. D'ici qu'ils en parlent, faudrait pas. Et aussi, je vous ai parlé de la fameuse histoire de Zarbacost. Bientôt, l'histoire des Abacos va sortir sur les réseaux sociaux. Et si ça sort, c'est pas bien. Donc, par conséquent, ils essayent de prendre les devants. Mais on ne va pas aller dans tous les sens. Restons mobilisés, mais surtout concentrés. Ne vous laissez pas distraire. Les lives seront faits dans bientôt. D'ici là, Stéphane Zeng et moi, nous essayons de sortir le maximum d'éléments et d'informations sur la tournée, mais surtout sur ce que les bailleurs de fonds ne veulent plus voir. Alors, le texte concernant le rapport du Conseil des ministres, en quoi ça a un rapport avec ce qui se passe? Ils ont proposé aux bailleurs de fonds, en leur donnant plus de garanties, en disant: nous sommes prêts à vous vendre les terres du Gabon si vous vous nous permettrez de pouvoir faire la continuité. Pourquoi est-ce que vous tremblez? Pourquoi est-ce que vous paniquez? Pourquoi est-ce que vous demandez la vacance de pouvoir? Nous, on peut vous rendre propriétaire des terres du Gabon et en moyennant quelques petits milliards, alors que nous savons que les valeurs de ces terres n'ont pas de prix. Alors, ils sont prêts à troquer les terres du Gabon pour la continuité avec le sosie. Et pour cela, il faut que les Gabonais perdent confiance, mais surtout, il faut empêcher que Stéphane Zeng et Parfait Eyi continuent à sortir les dessous de cette affaire. Par conséquent, je vous demande une fois de plus de rester mobilisés. D'accord ? Je vous ai promis un live court et très, très court. Je ne vais pas donner plus d'éléments pour le moment. Je vous demande simplement de faire ceci pour moi. Toutes les personnes qui ont pris des vidéos d'Ali Bongo à Franceville et les vidéos de la chose à Nzayon, de grâce, vous connaissez le numéro de Stéphane Zeng? Non, le numéro WhatsApp. Envoyez vite des vidéos là-bas. Et si vous ne connaissez pas, je vous donne mon numéro par lequel vous pouvez envoyer par WhatsApp toutes les vidéos que vous avez prises. Parce que, en fait, les bailleurs de fonds, eux aussi, ont reçu cette vidéo et ces documents. Et ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Donc, ils ont promis à quelqu'un un peu d'argent s'ils venaient à faire des petits lives.
Et donc, il fait des lives tous les jours en ce moment. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas au courant qu'il ne va rien recevoir. Parce que j'ai eu l'information qu'il ne recevra rien. D'où je me suis dit, pour que son forfait ne soit pas parti pour des grâces, pour de bons ou cadeaux, il fallait que je l'envoie 50 euros. Sinon, c'est pas bon, il peut se suicider. S'il vous plaît, envoyez-moi les vidéos. Je vous envoie tout de suite mon numéro. Alors, c'est le plus 90 552 252 14 95. Je reprends. Plus 90 552 252 14 95. Ou encore, envoyez les éléments au numéro WhatsApp de Stéphane Zeng, pour ceux qui le connaissent. Donc, d'ici là, je vous demande de passer une excellente soirée, mais surtout un bon dimanche. À nous revoir d'ici la semaine prochaine avec une série de 2 ou 3 lives avec Stéphane Zeng. D'ici là, partagez le message. Il faut partager le message. On se dit à tout à l'heure. Bonne soirée. Au revoir. Y'a Jojo, envoie-moi vite le nom. Et si y'a Riyad, j'ai 50 euros ici avec moi. Y'a Jade qui m'a envoyé 100 euros la dernière fois. Faut pas seulement lui dire ça. Sinon, elle va se fâcher. Comme ça, je t'envoie 50 euros pour le forfait d'Internet. Parce que tu ne recevras rien de la part de la chef. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à tout à l'heure. Ciao.